Salut monsieur dame, dernière vidéo dans cet environnement puisque oui, je change de maison. Yeah! Et bien puisque le mois de juillet m'a permis de cramer le budget du mois d'août, j'ai commencé le mois d'août en achetant des choses gratuites, tout simplement. J'ai profité du compte un peu fidélité Nintendo, donc vous avez des points argent qui vous permettent de choper des goodies gratuitement avec des petites missions à réaliser pour pouvoir choper ces points-là, hein, vous regardez sur Switch. Vous payez que les frais de port, j'en ai pour 3 euros, le colis était super bien emballé. Et je vais commencer par le moins pratique, à savoir les petits posters, magnifiques posters imprimés. Très bonne qualité, alors j'en ai plusieurs, je vais pas tout déballer, ça va être compliqué, je vous mets les miniatures sur le montage de la vidéo. J'ai pu commander également du coup des petites cartes postales typées Hanafuda, donc qui sont tirées des jeux de cartes japonais, donc magnifiques illustrations, ça fait vraiment plaisir. Du Peach, du Donkey Kong, tac. Bon, celle-là, elle est dispensable, hein, tout à fait, mais enfin bon. Du Luigi's Mansion, rigolo. En version Luigi là-bas derrière. Et puis, le fameux Mario de base. Superbe carte postale. Et puis, j'ai pu commander aussi des stickers Mario Kart. Alors, je pensais pas que les stickers allaient être si gros. Donc, bonne surprise, hein. On a le petit Luigi. Voilà. On a le Mario et on a Peach, et puis il y a du détail à l'intérieur, bien sûr, il y a d'autres petits stickers supplémentaires. Vous savez comment ça se passe, hein, les stickers comme ça, on les garde emballés et puis au final ça sert à rien, hein. Comme d'habitude, on est très malin. Bon, évidemment, je pouvais pas rester sans flancher, surtout que j'allais me promener à Paris. J'allais me promener à Paris chez le pote Adrien, donc on a passé nos vacances là-bas dans sa petite famille. Ça fait plaisir, ça fait du bien, ça ressource. Et du coup, bah forcément, qui dit Paris dit magasin. Alors, quelques jeux chez Mercato. Je vais commencer par ce petit jeu qui mériterait un peu plus d'attention. Dessine ton aventure. Voilà, j'avais adoré y jouer en version pirate. On peut remarquer également que le jeu, il est dans la console, là j'ai changé, il est en train de tourner. Donc il s'agit d'un petit jeu sans prétention où on dessine un peu des plateformes, on dessine son héros, on dessine un petit peu son décor. C'est sympathique, sincèrement, on peut se retrouver avec des trucs bien dégueulasses, mais sinon ça permet et de dessiner et de jouer. C'est un jeu de plateforme simple, vraiment simple, mais qui est moins monotone grâce à ça, grâce au phénomène de dessiner un peu des parties du jeu. Donc chez Mercato également, donc c'est un nouveau type de cache que Fabien de Discovery Game a présenté d'ailleurs. Hein, je vous invite à aller voir sa vidéo, je la mettrai dans la description, voir un peu comment ça se passe. J'ai pu prendre ce Rambo 3 sur Master System. Alors il faut le light gun pour y jouer. Le jeu n'est pas complet, il manque la notice. Bon, 15 balles, j'ai pris, hein, ne serait-ce que pour la façade. On verra ce que ça donne le jour où j'aurai un light gun. Étant donné qu'on a fait aussi des boutiques un petit peu de manga d'occasion, j'ai acheté les deux numéros suivants de Dragon Quest Emblem of Roto. J'avais le 1 dans une woodbox et puis l'histoire m'avait bien plu. C'est pas forcément facile à trouver, donc j'ai pris d'occasion, ça coûtait 4,50€, c'est un peu cher pour l'occasion, mais enfin c'est pas des choses qui se trouvent facilement. Évidemment, qui dit Paris dit trader. Donc trader, ça s'est passé comment? Ça s'est passé que j'ai pris essentiellement de la PS2, un jeu pas cher, donc la somme de toutes les peurs, voilà, que je trouverai bien en Game Boy aussi à un moment donné, je ne sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Un Robotech, je pense un petit peu de tir à la Zoé, j'imagine, donc sur la licence Robotech. Alors je pense que ça n'a rien à voir avec la vraie licence Robotech, ou en tout cas c'est très dégueulasse, le Robotech Invasion. Voilà, je pense qu'ils ont surfé, sur le nom. Le magnifique Bitro, donc qui est un manga que j'ai pas forcément apprécié, mais qui est
un manga fait par les créateurs de Dragon Quest Dai no Daiboken, le Fly qu'on connaît chez nous. On reconnaît un peu le style graphique. C'est un RPG pas forcément super fun, c'est un action RPG. J'ai pris, voilà, ça a l'air très très bien. Et j'ai craqué également pour les hippos, donc les hippos qui sont bien plus beaux que ceux que j'ai version PAL ou qui s'appelle d'ailleurs Victorious Boxing. Et puis alors forcément ça rend pas du tout Victorious Boxer du coup, parce que c'est noté là au-dessus. Ça rend pas du tout hommage au manga, c'est-à-dire qu'en fait on occulte complètement le manga, mais là par contre on assume bien le côté hippo. À tester tout ça, je ferai des petits tests sur la chaîne très certainement quand j'aurai le temps, puisque je vais changer de maison, je vais pas avoir le temps énormément ces prochains jours. Quelques petites rentrées également, alors c'est plus sur Paris, là, en l'occurrence c'est dans mon Easy Cash habituel, un jeu DS Runaway, un petit jeu de simulation de vie, très joli, évidemment complet, tout va bien, bon pas trop cher, hein, j'ai pas mis une fortune là-dessus. Le petit Shenmue 1 et 2 que j'ai trouvé à pas trop cher justement. Il y a un poster dedans, hein, donc tout est complet, tout est joli, évidemment à faire chez Seb. Et toujours est-il que à la caisse, la dame, qui me paraissait un peu plus âgée que moi pourtant, mais enfin, la dame me dit oh ça me rappelle des souvenirs sur Dreamcast, tout ça, donc merci madame de nous faire rêver, hein, on n'est pas les seuls. Ensuite j'ai chopé, et oui je l'avais pas, j'ai encore pas déballé, le SSX premier du nom, gros souvenir avec Riton, où on a passé la journée à faire du scoring comme des dingues, pour se rendre compte seulement le soir qu'il y avait des tricks à faire. On a avancé dans le jeu péniblement, sans faire un seul tricks, et en fait c'est seulement le soir où on s'est dit bordel il y a des tricks, et puis bah là les points s'envolaient, c'était la folie, alors vraiment la découverte. C'était vraiment fun. Un Terminator, je ne sais pas si c'est typé FPS, donc c'est un autre futur, voilà en l'occurrence. Un Age of Empires 2, ça fait un moment que je le guette, celui-là où je me dis tiens je vais en prendre un, c'est comme Warcraft 2 sur PS1 que j'aimerais bien retrouver. Et un Serious Sam que je n'ai pris qu'à la jaquette, puisque je connais bien sûr la jaquette, mais je ne connais pas du tout la licence. Voilà, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Petite commande internet, alors pour compléter justement ce qui s'apparentait au numéro 2, bah j'ai pris Draw to Life, c'est le premier épisode du deuxième que j'ai pris, parce que je me suis dit ce jeu c'est bizarre, c'était pas comme ça quand j'y avais joué en émulation, mais en fait il s'avère que c'était le numéro 2 que j'ai acheté, donc super bien illustré à l'intérieur, le jeu est complet, la boîte est un peu cassée mais ça c'est pas grave, ça passe quand même, et je me rappelle surtout de ce personnage là au-dessus, tout premier qu'on vient faire, c'est vraiment stylé. Et bien là c'est tombé, comme ça ira pas plus bas. Le Deadly Creatures. Donc là, c'est un jeu, ma foi, atypique. Ça fait un moment aussi que je me dis qu'il faut que je le prenne. Vous incarnez soit une araignée, soit, enfin une migale, soit un scorpion. Et puis vous baladez dans des environnements, il y a un petit peu de... Il y a un petit peu de personnage humain dedans, il faut se planquer. J'ai encore pas joué, mais c'est une curiosité fort sympathique, vraiment à découvrir. Nous avons fait des vides greniers avec Tonton Lico, le chien truffier qui trouve toujours les bonnes affaires. Et puis j'ai craqué Xbox, hein, mon petit Ben, tu sais ce que j'en pense. Et ben finalement j'ai commencé un petit peu de collection sur Xbox, puisqu'il y a des jeux qui sont fortement fortement réservés à la Xbox et puis qui mériteraient d'être sur PS3, mais enfin tant pis, ça n'a pas été le cas. Et en l'occurrence donc Tonton Lico lui il a pris la console en bon état, complète, tout ça en carton, et puis il m'a laissé les jeux. Alors les jeux forcément, bon bah il y a du classique, on a trouvé à pas cher parce que c'est sur deux stands, on a trouvé du Dragon Ball, on a trouvé du Mortal Kombat, on a trouvé du Skyrim, bon bah ça faisait partie du lot, donc sinon j'aurais pas pris parce que je l'ai sur PS3, Dead Space, voilà, Bioshock 2, avec la jaquette un petit peu brillante, c'est rigolo, Soul Calibur 5, donc ça se trouve bien sûr sur PS3, tout ça, et les exclus un petit peu Xbox, et ben non pas le 1, mais plutôt déjà le 2, le Fable 2, et le Fable 3, et bien entendu
La pièce maîtresse, le Blue Dragons. Blue Dragon, tout simplement pas. Il n'y a pas de deux O, il n'y a pas de S. Voilà, Blue Dragon. Donc, Cara Design Akira Toriyama, bien sûr, de Dragon Ball. 3 CD. Alors, il ne faut pas dans la dentelle chez Xbox. Les 3 CD, ils les empilent sur un Titi un peu plus gros. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, bah, évidemment, ils nous vendent toujours une paire de loches. Hein, c'est toujours compris dans le prix. Et puis, bah, ce coup-ci, il faut que j'ai une Xbox. Là, j'ai la Xbox que m'avait refilé Bachelet, Loulou Bash, mais qui ne fonctionne pas, je crois qu'il m'a dit, j'ai jamais essayé, j'ai jamais branché. Donc je trouverai une Xbox à l'occasion. Je te prêterai des jeux, Ben, pour voir ce qui passe sur la Xbox One, puisqu'il y a des jeux qui sont compatibles Xbox One. Voilà, donc ça commence une collection que je repoussais indéfiniment, mais à un moment donné, bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hey. Des petits DVD. L'ami Alex Gaming avait posté un short sur le sujet et comme quoi il y avait des promos à la Fnac. Alors du coup j'ai pris le Sonic premier du nom que j'avais trouvé sympathique, le Sonic 2 avec un fourreau cartonné. Je l'ai pas vu le 2 donc ça sera l'occasion. Et puis le Nicky Larson que j'avais vu au cinéma avec ma frangine. D'ailleurs je t'invite à repasser à la maison pour qu'on se le fasse ensemble avec une petite soirée carreau de concombre, qu'on se le remette ensemble, ça ferait plaisir. Voilà pour ça. Dernier jeu quand même que j'avais eu au début, où j'aurais pu vous le sortir avant, que j'ai commandé, que j'ai reçu en début de mois, c'était le Young Souls. D'ailleurs je crois bien que je l'avais même reçu fin juillet, mais enfin je l'ai oublié dans la vidéo, donc je le présente maintenant. Un petit action RPG fort sympathique des amis Pixel Love, enfin édité par Pixel Love. Voilà, toujours pas de nouvelles de la commande de Pixel Art que j'ai commandé au mois de novembre. Toujours pas de réception, toujours pas de mail qui me dit que c'est encore décalé, puisque j'ai reçu au mois de juin un mail comme quoi c'était décalé au mois de juillet. Au mois de juillet, j'ai rien eu. Bon, bah, ma foi, on va espérer que ça arrive un jour, hein, puisque dedans il y a du Neo Geo CD, réédition de Neo Geo CD. Forcément, ça mérite un petit peu de temps, mais il y a un jeu qui est déjà sorti. C'est le deuxième qui bloque, on verra ce que ça donne. Voilà, prochaine vidéo, ça sera dans la nouvelle maison, puisque je change, je déménage. C'est bien, ça fait un peu peur, c'est l'aventure, mais bon, c'est bien, on va pouvoir se poser en couple dans un espace qui nous est commun, et non pas chez moi à la base. J'ai passé très bons moments dans cet appartement, notamment dans la salle de jeu, avant de la déménager bien sûr. Depuis que je l'ai déménagé, depuis l'attente de notre fille que nous avons perdue à 6 mois de grossesse, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, je tourne en rond dans l'appartement. Il s'est trouvé qu'on a trouvé une maison qui ressemble à notre appartement en version plus grand. Donc on a eu le coup de cœur, on ne comptait pas spécialement acheter tout de suite. Et ben voilà, on déménage pour de nouvelles aventures et j'espère aussi une belle pièce de jeu dédiée. Voilà, à bientôt, bisous.